Attends, attends, non, y'a un gars là. J'ai vu quelqu'un atterrir sur la maison du living. Ouais, deux, trois, trois, trois. What? Ce actuel fucking fuck. I just Mami Oki. Comment ça va YouTube, c'est votre pote Matisse aka le Rafale. J'espère que vous kiffez comme des petits margoulins, que votre journée se passe bien. Et aujourd'hui, une grosse vidéo. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un méga like et un petit abonnement si jamais le contenu vous plaît. On a d'autres records du monde sur la chaîne, tranquillou. Et un super tuto pour savoir comment vous améliorer sur Warzone. Donc pour vous expliquer, aujourd'hui c'est une vidéo record du monde en solo trio, en 120 les amis. Et oui, comme certains d'entre vous le savent déjà, j'ai atteint les 1000 follow sur Twitch. Et du coup, en follower goal, j'avais dit que je jouerais en sensibilité 20 toute la semaine. Du coup là on est en sensibilité 20 pour le solo trio. C'est incroyable la sensibilité 20, je la kiffe trop. Je pense que je vais peut-être la garder en fait après cette semaine, parce qu'on fait des moves de psychopathe. Donc l'idée du faire le record du monde de solo vest trio m'est venue avec Kigunin et Punkil. Donc Punkil qui a fait sa vidéo où il faisait 32 kills. J'ai essayé de la battre le matin. Et le matin j'ai fait une game, c'était atroce. J'ai fait une game à 27 kills avant la zone 2. Il restait 8 teams et 20 mecs en vie. Donc dites-vous que j'aurais pu faire vraiment une 45 kills voire plus, c'était un truc de psychopathe franchement. J'ai un peu le seum, c'est ma plus grosse game pour vous donner un ordre d'idée. Kigunin il est à 23 kills avant la zone 2 pour, dans son record du monde, et là sur la vidéo d'aujourd'hui je suis à 21 kills avant la zone 2. Mon potentiel était incroyable sur cette game, mais bon tant pis, c'est raté. Dites moi si vous voulez que j'essaye de faire encore plus que 38 kills, de battre le record. Donc aujourd'hui on a fait 38 kills, j'ai vu la vidéo de Kigunin et je me suis dit beau gosse, et j'ai essayé de faire la même. Et la game d'après, littéralement quand j'ai lancé mon live, ça a fait record du monde directement. Donc deux morales dans cette histoire: 1, activez les notifs, évidemment, comme ça vous pouvez pas louper les records du monde. 2, si vous regardez les vidéos de Kigunin, vous allez faire un record du monde juste après. C'est vrai, 100%, je vous jure. Sur ce les amis, je vous laisse et je vous souhaite une bonne vidéo. Mouah. J'hésitais pas à le tuer pour pas faire team break. J'aurais dû, je pense. Ça ferait un autre team wipe ça. Bah bon pour les affaires. Y'a un mec qui me hold un peu là. Tu
Voilà, c'est bon. Quoi cette arme de merde? Ah, désolé, je me... Il a fait 39? Non, 38, ok. Merci, merci. Sorry les bros. Encore une fois, vous savez. Vous-même, vous savez, je suis focus. Il est AFK ou quoi lui? Assez pour un drone. Là j'ai assez pour un drone. Non, je suis mort. Il y a un fucking snipe. On a contrôle. Dommage pour le teammate. Ça va pas faire rien pour autrement. Oh putain. Fighting.
Let's go baby.